bonjour. Je voudrais une intention de prière pour ma fille et son fils qui doivent se faire opérer ce mois-ci. Donc, je demande à Maman Marie et Sainte Bernadette de prier pour eux et de bénir la main de tous les médecins qui s'occuperont d'eux. Merci. Notre-Dame de Lourdes, je vous aime. Pourriez-vous prier pour une grande malade, Marthe, qui souffre beaucoup, pour une famille qui a des soucis d'argent, et pour des malades et des défunts? Merci, Notre-Dame de Lourdes. Bonjour, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette. Je vous confie René-Paul, qui est malade depuis très longtemps. J'ai confiance en vous. Vierge Marie, je vous demande de guérir Marianne, qui a de gros problèmes de santé. Merci, Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour et bienvenue à la grotte de Massabielle à Lourdes, à vous qui êtes ici présents et à vous qui nous rejoignez par l'intermédiaire de la radio, de la télévision ou d'Internet. Nous pensons tout spécialement à ceux parmi vous qui connaissent des épreuves de santé, qui sont atteints par les difficultés dues à l'âge, aux personnes souffrant de difficultés psychiques, aux personnes isolées, aux prisonniers. Nous méditerons cet après-midi à l'aide des mystères douloureux du rosaire et nous porterons aussi dans notre prière le pape François, les évêques et les autres membres du synode sur la famille réunie à Rome ces jours-ci. Prions avec la prière à la Sainte Famille du pape François. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, que le synode des évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Après le dernier repas avec ses disciples, Jésus se rendit, comme il en avait l'habitude, au mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Vierge Marie, comment ne souffrirais-tu pas alors que ton fils entre dans sa passion avec toi? Nous pensons à toutes les mères, à tous les parents, à toutes les familles qui sont dans l'inquiétude. En contemplant avec Marie le Christ Jésus, prions pour les souffrants, les blessés de la vie, les victimes d'accidents, les personnes dans l'angoisse. Présentons dans notre prière les intentions que nous venons d'entendre et celles que nous portons en notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous dit de rester en tenue de service, votre enfant est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit de rester en tenue de service, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit de rester en tenue de service, votre enfant est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, Vierge fidèle, réjouis-toi. Dans la ténèbre où Dieu t'appelle, tu fais briller si haut ta foi que tu reflètes sur nos croix la paix du Christ et sa lumière. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Après que la foule lui demandait qu'on relâche Barabbas, Pilate amena Jésus et le fit flageller. Vierge Marie, ton fils, l'innocent, qui n'avait pas commis de faute, est cruellement flagellé. Avec toi, nous pensons à toutes les familles soumises à la violence des injustices, de la haine, de la guerre, de l'exil. En contemplant celui qui s'est fait serviteur, prions pour les personnes qui sont écrasées, bafouées, spécialement pour les enfants et les jeunes mal aimés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus qui nous dit de tenir nos lampes allumées, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui nous dit de tenir nos lampes allumées, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui nous dit de tenir nos lampes allumées, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, Vierge élue du Père pour mettre au monde un Fils, sois encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Après avoir flagellé Jésus, les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Vierge Marie, ton fils, le roi des rois, est couronné d'épines et il devient objet de moquerie. Avec toi, nous pensons aux familles marginalisées et rejetées aux portes de la société ou de nos communautés chrétiennes. En contemplant celui qui a pris condition de serviteur, prions pour tous ceux qui souffrent à cause de la violence et de l'endurcissement du cœur des hommes, et pour ceux dont le cœur est plein de haine, de ressentiment, d'amertume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit d'attendre le Maître à son retour, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus qui nous dit d'attendre le Maître à son retour, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous dit d'attendre le Maître à son retour, votre enfant est béni. Sainte Marie, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, tu es mère, montre-nous ton Fils. Que celui qui est né pour nous, en acceptant d'être ton Fils, accueille par toi nos prières. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit et gagna le lieu du crâne ou calvaire, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Vierge Marie, la croix qui écrase ton Fils est lourde, il s'est vraiment chargé de nos péchés. Avec toi, nous pensons à toutes les familles soumises à de lourdes croix. En contemplant celui qui s'est abaissé jusqu'à la croix, prions pour tous ceux qui ont de lourdes responsabilités et pour tous ceux qui subissent des épreuves trop lourdes, ainsi que pour ceux qui se tiennent aux côtés des souffrants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui s'est abaissé lui-même, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui s'est abaissé lui-même, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui s'est abaissé lui-même, Jésus, votre enfant, est béni. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, femme debout près de la croix, voici la nouvelle Genèse, Dieu se fait nuit. C'est l'heure où dans ton cœur passe le glaive, tu donnes Jésus-Christ. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. Quand les soldats l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient assis là à regarder. Vers 3 heures, Jésus, criant d'une voix forte, remit l'esprit. Vierge Marie, tu es au pied de la croix et c'est l'heure de l'accomplissement de la terrible prophétie du vieillard Siméon. Avec toi, nous prions pour toutes les familles dans le deuil. En contemplant celui qui est mort sur une croix, prions pour ceux que la justice humaine a condamnés, ceux qui ont du mal à pardonner, et pour ceux qui sont à l'heure de la mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous a sauvés par son obéissance, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous a sauvés par son obéissance, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, qui nous a sauvés par son obéissance, votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie, dont la beauté rayonne de clarté à l'ombre de l'Esprit, Ève nouvelle, Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave. Ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Merci d'avoir participé à ce temps de prière et de méditation.
en union aussi avec tous ceux qui y participent au loin, par la télévision, par l'Internet, par la radio. S'il y a des enfants dans l'assemblée, je les invite à s'approcher au pied de la grotte. Je vais les bénir ainsi que les personnes qui les accompagnent. Ensuite, je bénirai les chapelets, les médailles, les croix et tout ce que vous avez acheté pour les rapporter à d'autres. Vous pouvez vous rassembler derrière la ficelle qui est au milieu des bancs. Voilà, et puis je vous proposerai une petite méditation sur ce geste de passer sous la grotte.
Voilà, si vous le voulez, je vous propose quelques instants de méditation sur le sens de ce geste de passer sous la grotte. C'est un geste qu'on fait souvent quand on vient à Lourdes. Bien, tout d'abord, c'est une façon de répondre à l'invitation de la Vierge Marie qui dit à Bernadette, allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession. En procession, c'est-à-dire en peuple de Dieu. Que l'on vienne ici à la rencontre du Seigneur, au cœur d'un peuple de croyants. Et lorsque nous venons à la grotte, nous faisons l'expérience d'être au cœur d'un peuple de croyants, d'un peuple de croyants qui se tourne vers son Dieu. Et souvent, dans la Bible, le rocher est une image pour désigner le Seigneur. La montagne est une image de monter à la montagne, est une image de cette rencontre avec le Seigneur. Souvenez-vous, au tout début de la Bible, Moïse qui monte sur la montagne pour rencontrer le Seigneur. Souvenez-vous, Jésus, dont on nous dit plusieurs fois, il se retira dans la montagne pour prier Dieu. Ou bien, quand il y a un moment important dans sa vie, l'appel des disciples, par exemple, il monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Donc, le rocher, en quelque sorte, c'est un des symboles de Dieu, un des symboles de la présence de Dieu. Et lorsque on touche ce rocher, eh bien, nous disons en quelque sorte en acte, Seigneur, tu es solide, tu es le roc sur lequel je peux appuyer ma vie. Et ce mot de toucher le roc, en hébreu, ça a donné notre mot Amen. Amen, oui, je crois fermement. Je crois parce que je m'appuie fermement sur toi, Seigneur. Donc, lorsque nous venons ici, dans cette grotte, eh bien, nous venons à la rencontre du Seigneur. Nous venons appuyer notre vie sur le Seigneur. Nous venons vivre un cœur à cœur avec le Seigneur. Et ce rocher, il peut être un peu à l'image de notre vie, du déroulement de notre vie, en quelque sorte. Le Seigneur est celui qui nous accompagne tout au long de notre vie. Si nous nous tournons vers lui et si nous appuyons notre vie sur lui, comme on le fait lorsque on touche le rocher, si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, eh bien, le Seigneur nous accompagne. Il peut être le guide de notre vie, comme ce rocher est un peu le guide de notre vie. Et dans notre vie, il y a des moments de lumière et des moments plus sombres. Et nous croyons que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre vie, comme il y a, lorsqu'on rentre sous ce rocher, eh bien, on a l'impression de traverser une zone plus